vaccin, dans quelques semaines, la vaccine paraît. Mais autant qu'il vous connaît, toujours pas une ENA pre-ordering. Ça aussi inacceptable. Et le ministère vient clé assis. Quand nous pouvons gagner le vaccin, le plus tôt possible, à qui en priorité pour administrer sa vaccin? Éclaircir la situation bien. Et enfin, dans la presse de ce matin, on trouvait que le docteur Covadet, c'est l'Express de ce matin, le docteur Covadet, il conseille au public d'éviter les lieux bondés, d'éviter un endroit côté d'un petit monde. Nous, on doit connaître qui l'avis d'expert était exactement. Un API, quand il finit, interdire tel ou tel genre de rassemblement public. En tant qu'il est de l'opposition, le nom du pays, on les connaît, qui va l'expert, il me dit exactement. Surtout, concernant les courses, ban l'école, ban discothèque, en particulier. Il ne faudrait pas qui gouvernement perd le contrôle de la situation. Déjà là, pays n'a pas, comme dit en anglais, pas slippages. Déjà là, pays n'a pas de manquement. Faudrait que le ministère de la Santé ressaisisse. Faire ce qu'il vise à faire, corrige ce qu'il vise à corriger. Sans tarder. Je ne sais pas complètement, mais il y a un tas là, ces derniers jours, l'Oban candidat éventuel, c'est difficile. Bon, d'abord, il y a même là, c'est qu'il paraît, qui fait dire, qui décision de Philippe Brand, qui peut le déranger pour le Premier ministre 5 ans, qui a une Qatari pour président éventuel, Ahmad Diwa vice-président éventuel, enfin, il donne le vice-premier ministre, numéro 3, numéro 4, dans la hiérarchie d'un gouvernement éventuel, MMM, Union Nationale, PMSD, et Speaker. Et la même article dans l'Express de mardi dernier, il ne faut pas me critiquer l'article, hein, on fait même pas de précision, c'est tout. Et dans l'Express de mardi dernier, donc, il y a un certain nombre de noms